Là, ce qui va. Excusez-moi, monsieur, vous allez pas laisser ça ici, hein? Pardon? Mais c'est toi. Bah oui. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec ce matelas, ce sapin? Eh ben, je m'en débarrasse. Ah non, ça, c'est pas possible, hein? Non, je veux dire, c'est pas possible de laisser ça ici. Bah si, c'est très bien. Si un mec est fatigué, il peut s'allonger dessus, se reposer, puis le sapin, ça fait de la déco. Non, mais c'est vraiment un manque de civisme de laisser traîner ses encombrants dans la rue. Imagine si tout le monde faisait pareil. Ça va, t'as mangé du loup, madame l'écolo, ce matin? C'est quoi ce chien? C'est au plat, c'est le chien de Juliette. Mais elle m'a demandé de le garder pendant qu'elle était en vacances. T'es sûr que c'est un chien? Il ressemble à rien. Il mord pas au moins. Hein. Non. On va faire une balade, tu veux venir avec nous? Ouais, avec plaisir. D'accord, mais d'abord tu me redescends ce matelas et ce sapin à la cave. Sinon, on va devoir payer une amende. Mais je te rassure, j'ai appelé les services de l'agglo, ils passent les chercher demain. Bah, pourquoi tu l'as pas dit avant? Parce que j'aime bien t'embêter. C'est malin. Non. Allez, viens. Je vais te faire découvrir le cabé. Ah oui. Allez, viens. Découvrir le cabé. Si on prenait le passage Carnot. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable, toi. Hein. T'habites ici depuis 6 mois et tu connais même pas ta ville. Le Kremlin-Bicêtre offre un cadre de vie agréable. On y trouve tous les avantages d'une commune proche de Paris. Bien fournie en transport, en commerce, en équipement public, mais aussi en espace vert avec un grand parc central, des squares et des lieux de promenade. Les agents de la ville entretiennent et embellissent le patrimoine vert de la ville, 12 300 m² de pelouse, 28 000 m² de squares, dont le parc Pinel, le cimetière communal et les résidences de Kremlin-Bicêtre Habitat. Chaque année, ce sont 33 000 plantes qui sont repiquées au printemps, 24 000 en automne. Pour préserver cet environnement, chacun doit y mettre du sien. Trier ses déchets, respecter les jours de collecte, ne pas déposer ses encombrants sur la voie publique, nettoyer derrière son chien, jeter ses papiers dans les poubelles communales. Bref, tous les actes de la vie quotidienne qui participent à l'entretien du cadre de vie et au bien-être de chacun, respectueux du travail des agents de la propreté urbaine. C'est alors que l'on peut apprécier pleinement la ville, arpenter ses rues avec plaisir, flâner au gré de ses envies, ainsi que vont le constater Marie et Christophe, en balade par une belle journée de printemps. C'est joli, hein? Ouais, ça me rappelle la Roche-sur-Yon, toutes ces petites maisons. Mmh. Tiens, on va prendre une photo, mets-toi là. Ah, allez, viens, hop là! Ici. Ne bouge plus. Ça va, le touriste? Non, c'est pour maman. C'est pour lui montrer que, contrairement à ce qu'elle croit, c'est pas l'horreur, le Kremlin. T'aurais pu te mettre de l'autre côté, c'est pas mon bon profil. De l'autre côté, j'aurais vu ville juif. Ah, c'est très bien, j'aurais tout le cabé jusqu'à la porte d'Italie. Tu as un moment? Non, merci. Bonjour. Tu vois, ce qui me choque, c'est tous ces agents qui travaillent pour la ville. Eh ben, personne ne les remarque. C'est comme s'ils étaient transparents. Mais je suis sûre que si on se rendait compte de leur travail, ben on serait beaucoup plus respectueux. Tant de qui tu parles, là? Ben, tu vois, même toi, tu l'as pas remarqué. Mais si, je l'ai vu. Il est assez loin, là? Ouais, pourquoi? Hop, j'en profite. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je balance mon papier par terre, ça le fait bosser. Mais ça va pas bien, non? Tu pars au quart de tour, toi, aujourd'hui. Tiens, il est là, le papier. Et toi, tu m'énerves, et c'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien ce coin. Mmh. C'est curieux, à chaque fois, je pense jamais à venir par ici. Bah, faut sortir, Christophe, hein. Allez, viens, je vais te montrer une vue superbe. Ouais. Tiens, on dirait qu'il va repleuvoir. Ouais, alors ça, il avait pas dit sur mon smartphone, hein. C'est une petite photo. Mmh. Allez. T'as une trace. Tiens, je savais pas, c'est là qu'ils vont construire la future station de métro. Tu sais pour quand c'est? 2023, je crois. Cool. Ce sera bien pour les gens qui habitent le haut de la ville. Ouais. Ah non. Non, on n'a pas le droit, là, Marie. Bon, c'est pas grave. Juliette m'a montré un endroit où on peut lâcher les chiens et les laisser courir. Allez, viens. Ah, je suis crevé, moi. C'est des kilomètres, là. Petite nature, va. Regarde, lui, il est pas crevé, il gambade, hein. Au fait, tu sais ce que m'a dit Juliette? Ouais. Il paraît qu'ici, dans quelques années, ce sera un espace vert. Ah bon? Ça appartient à l'hôpital pour l'instant, mais ils vont le céder à la ville, parce qu'ils ont un projet. Ça s'appelle le ruban vert. Ça partira de Porte d'Italie, ouais, pour aller jusqu'à Arcueil, et ça passera par ici. Eh ben, ouais, ça va être joli, ça. Ouais. Bon, pilou, là. Oh, ce que t'es mignon. Oh. On va faire une photo tous les trois. Oui. Finalement, je commence à l'apprécier, son kleps. Eh, regarde là-bas. Regarde. Tac.
stop. Quoi? Hop là, laissez quelque chose derrière lui, là. Ouais, bah c'est pas grave, personne n'a rien vu, on s'en fout. Ah non, 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 et oh, c'est sale, puis si quelqu'un glisse dessus, faut que tu ramasses. Comment ça, faut que je ramasse? Attends, c'est le chien de ta copine? Bah oui, mais c'est toi qui tiens la laisse. Ouais, bah je vais pas ramasser avec les mains, j'ai rien pour ramasser, là. Oula, t'inquiète pas, elle m'a donné des sacs à crottes. Et puis en plus, il y a des distributeurs dans tous les coins de rue, alors t'as aucune excuse, hein. Allez. T'es curieux, toi, comme chien, hein. On passe une demi-heure dans un parc et tu fais rien, et là, dès qu'on sort, tu me refais un truc. T'es adorable. Allez, souris. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je prends une photo pour ton Facebook. Tu as la petite crotte à côté? Parfait. Je te préviens, si je vois ça sur Facebook, ça va se... Vous êtes tout mignons, tous les deux, regarde. Ouais. C'était sympa, non, cette petite promenade? Grave. Ça donne vraiment envie de découvrir d'autres endroits du KB. Ah! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a recommencé. Mais c'est pas vrai, c'est quoi ce chien, là-haut? Mais non, je plaisante. Tu pars vraiment au quart de tour, hein. Ouais, et toi, tu m'énerves. Moi, elle vient de récupérer quand son truc, là, ta copine? Ah. Merci. Pardon, merci. Non. Galate. Hey, house. Bah, comme ça, il aura les pattes propres. Ouais, et puis si on prend un chien, on en prend un vrai, hein. On prend pas ça. Hein.